Chanson qui nous rappelle d'ailleurs les années 80. Je me rappelle avec la création du groupe Bobongo. Et vous avez amené cette chanson. Et Ya Tout Passe, voilà, les Ya Tout Passe surtout. C'était ça avec le Mantiamina. Ray Lema, Mantiamina, Mfoko. Et puis, nous avons beaucoup aimé la musique. Et d'ailleurs, je me souviens, nous avons fait une expérience. Il fallait expérimenter un studio de la RTNC à l'époque de la Voix du Zaï. Et j'ai été obligé d'amener Zaïko Langalanga dans ce nouveau studio, le studio musical qui n'était jamais exploité. Et nous avons réalisé une prise de son là-dessus, les deux chansons. La chanson Mystère et puis Pacha Labaran. Non, nous avons pris Zaïko Wawa. Oui, oui, on avait fait Zaïko. Et puis Sangela. Une des versions, oui. Voilà. Instrumental. C'est toujours un instrumental. Oui, oui, nous avons fait ça au studio. Avec Ya Tout Passe. Non, 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 avec Zaïko. Non, non, Zaïko Langalanga. Zaïko Langalanga. Que j'avais réussi à déplacer, parce qu'à l'époque, là, j'avais une certaine force. Hein. Je pouvais déplacer les montagnes. Ah, et puis, par la suite, on ne s'était pas arrêté là. Vous m'avez fait revenir, mais seul, voilà, pour faire le ping-pong d'un magnéto à l'autre. À l'autre, voilà. Ouais. Alors, c'était un cours. Hein. Oui, mais oui. Moi, j'étais le cobaye, c'est moi qui donnais la matière à exploiter. J'enregistrais la première guitare, je faisais des harmonies, et oui, puis on avait construit une chanson. Mais on faisait des essais sur la prise de son. Et les titres, on l'a imprimé Non, mais... Non, 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 j'ai les éléments. Oui, c'est un magnétique, je les ai toujours. Wow. C'est une expérience unique, ça. Oui, je les ai toujours. C'est un patrimoine. Gardé. C'est d'autres facettes de moi, méconnues. Ah. Ça, faudra les exploiter. Le playback. Playback, oui, en fait, c'est le playback. Non, non, on faisait des multiprises. Des multiprises. Parce que ce n'était pas encore assez exploité ici. C'est ça. Un orchestre comprend sur différentes pistes distinctes. Chacun d'artistes vient, injecte son signal, ainsi de suite. Parce que nous avons tenté l'expérience une fois avec les amis, les petits de Wing Music à l'époque. Ils ont eu une peur bleue et ils ont fui le studio IAD à Brazzaville.
C'est normal. Hein. Ils ont refusé, disons. Pas fou, mais ils avaient une expérience unique. De faire le truc là-bas, vos amis. Quand on est habitué à jouer en orchestre comme voilà, ça. Voilà. Et on vous dit là. D'aller jouer tout seul. Avec le casque, le retour. Là. C'est une autre expérience. Ça posait des problèmes. Des jeunes gens au retour. Allez, Makaba. Nous sommes passés à Brazzaville, visiter le site de Yadé avec Jibem Piana. Ouais. Allez, Makaba. Et nous avons rencontré Kebano. Oui. Ouais. Et nous avons expliqué à ces jeunes gens-là voilà comment vous allez travailler. Ça, il y aura des multiprises. Ils ont eu une peur bleue au retour. Ils se sont ligués contre moi. Ah bon? Et ils sont allés enregistrer chez Bobongo. Oui. Voilà. Bien, Pepe Feli, on continue. Et maintenant, là, tu nous amènes dans quelle dimension encore? Alors, c'est très spécial. Je me sens être le détenteur de ces trois écoles de guitare de la rumba congolaise. Alors à présent, je vais rendre hommage à un aîné, Tino Barroza, qui a interprété Bujumbura dans l'African Jazz. Ah, ouais, ok, yo, on va aller sur le sujet.
L'infidélité mise à nu. Agathe. C'est grave, Agathe. Pardon. Félix. C'est même pas Pépé Félix, c'est Tino Barroza. Tino Barroza. Oui, Pépé Félix. Zaïko, le Zaïko, c'est quand même un grand orchestre. Il y a eu plusieurs guitaristes aussi dans Zaïko, mais qu'est-ce qui a fait que c'est plus vous qui soyez, comment je peux dire, qui a plus excellé et qui est plus connu? Mais c'est simple à comprendre parce que je suis à la base de la création de cet orchestre. Et puis, à cette époque-là, les jeunes ensembles qui voyaient le jour, avaient tendance à reprendre les partitions de nos aînés. S'ils sont liés au style Odemba, ils reprenaient les partitions de Franco. Et ceux qui étaient du côté de l'African Jazz reprenaient les partitions de Dr Nico. Et nous, quand nous sommes arrivés dans le métier, moi, personnellement, je me suis mis à créer, à composer mes partitions, bien que j'avais l'influence de Los Niquelos, de mon aîné Justin Zéza, que je salue au passage. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis là, vraiment, merci mon grand. Donc, j'avais repris le style de Justin Zéza, et puis en évoluant, j'ai connu aussi d'autres maîtres, entre autres Tino Barroza, Bavon Marie-Marie, Géry Gérard, et suis parvenu à tracer la ligne Pépé Félix Manouakou. Et c'est ce cliché-là qui s'est positionné comme la troisième école des deux écoles qui existaient déjà avant. En fait, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait la sélection des deux écoles existantes et puis j'ai créé la voie du milieu. C'est l'école Manouakou. Bravo. De toutes les façons, Zaïko, c'est la troisième génération de la musique congolaise. Parce que vous avez au départ la musique individuelle qui était les Wendo, Bukassa et les autres. Après, il y a eu l'orchestration avec l'African Jazz et l'Oké Jazz, avec tout ce qui s'amenait. Le style, quand vous suivez très très bien, vous sentez que Zaïko est sorti de tous les grands, les autres qui étaient là-bas, pour influencer la scène musicale sur le terrain à Kinshasa et ailleurs. Zaïko n'était pas seul à l'époque, là. Oui, mais même s'il n'était pas seul. Il y avait Touzaïna, il y avait Simba. Mais Touzaïna, Simba. Si, ils ont commencé. Mais ce sont eux qui ont excellé. Qui ont excellé. Ils ont commencé, les Touzaïna, je me rappelle, à l'Athénée. Ils étaient à l'Athénée et tout ça. Et Mukangi, un truc comme ça, là. Ils ont commencé, nous avons suivi ça. On était encore. On terminait les études à l'académie et tout ça. Et nous avions ce privilège avec notre ancien directeur général, Bembika, qui invitait justement les orchestres. Chaque fois qu'il y a eu, par exemple, clôture de l'année, les orchestres venaient jouer à l'académie. Et les étudiants devraient les recevoir, les voir de visu. Et les orchestres étaient des jeunes. Et des jeunes et des vieux. Parce que nous avons reçu le Ngomba Viki à un moment donné. Quand il a quitté, il a fait son orchestre. Viglan. Et nous l'avons reçu. Vous voyez, à ce moment-là, et ces jeux-là, il y avait aussi une personnalité des artistes. L'artiste voulait sortir de lui-même, expliquer ce qu'il était. Et la plupart venaient des bonnes écoles. Exactement. Félix, on continue. Il y a question d'un téléspectateur qui dit « Bonjour cabaret ». Pépé Félix ne peut pas créer une école de formation en guitare solo car nous n'écoutons que du plagiat aujourd'hui. Il n'y a pas la créativité, c'est Liévin Mayala. Pépé Félix ne peut-il pas créer une école de guitare solo? Oui, le projet a vu jour et puis bon, suite à de certaines circonstances, j'ai gelé le projet. Mais je vais le relancer l'année prochaine. Voilà Liévin, tu es satisfait. Et dans l'entretemps, je viens de produire des DVD pédagogiques à Londres qui sont déjà commercialisés aux États-Unis, en Europe. Alors là, je dévoile le secret guitaristique de Pépé Félix. Allez, dans un DVD, là. Un DVD, oui. Ah, tu je l'as parle, pas ici, hein. J'explique et puis je joue vite et puis très lent et puis comment les notes se succèdent. Et ça se vend déjà en Europe? Ça se vend déjà aux États-Unis en Europe. Ah, mais m'amène-la ici. Mais pourquoi vous devez seulement commencer de l'autre côté, pas chez nous, pas chez vous, disons, ici en RDC? Bon, il fallait commencer le par fait ici. Que je suis sur le terrain, on va en parler avec les frères et les amis, voir comment
faire parvenir cette marchandise ici et l'écouler aussi. Absolument. Attention, tu l'as dit quand même. Attention, tu l'as dit. Fred Dividi, bon, il vient, on l'achète. Voilà, tu veux dire quoi? Je veux dire que. Et non, je n'ai rien dit. Mais je crois que pour nous ici, ce qui serait intéressant, c'est la clé USB. Ah, c'est ça que j'ai compris. Hein, parce que je pense qu'on doit adapter cette nouvelle technologie en fonction de nos réalités. Voilà. Ah, qu'est-ce que nous consommons, qu'est-ce qui est abordable et puis, je crois et rentable. Et rentable. Ça doit être rentable parce que l'artiste doit vivre. Ah oui, comment tu puisses vendre quand même la clé USB. Pardon ? Vous étiez à Tino Barros. On était à Tino Barros. Alors là, on revient à moi-même. Ma première composition. Boyanga Celestina, oh, na limite na kobanga boni bosele komi somo. Tosama sele Maria na motino sali na kokate na bomba sekele. Angai feli mwana mama bolingwe simbi zoto sina bolingo longa te. Bolingo sele komi somo. Tosama sele Maria na motino sali na kokate na bomba sekele. Angai feli mwana mama bolingo simbi zoto sina bolingo longate. Décidé kaka na kufa na nga monzemba. Mama bolingo ya bana na bana ekozala kasoni te pona kozonga na yaka. Sele sina nga pepe na sambwe. Zongelanga mwana mawa. On en a beaucoup parlé avec Andy d'ailleurs, Nyangilelo, à la chanson qui a beaucoup marqué aussi cette époque, un succès signé Pepe Feli. Laquelle Pepe Feli. C'est que le cadeau.
magicien. Oh oui, parce qu'on avait un docteur. On avait un docteur de la guitare. C'est le vieux Nicolas Rassanda. Ah, d'accord. Il y avait le sorcier de la guitare. C'est Franco. C'est Franco. Ouais. Puis il y avait un jeune magicien. Un jeune magicien. Le magicien, c'était Félix. Félix. Les réactions. Bonjour Cabaret, merci pour la diversité musicale que vous nous faites. Prière de nous chanter la chanson de Franco, Dede Ngai Nakomizoba, pardon. Je dédicace cette chanson.